petit, alors ça c'est bois du rat quand c'était au bas, et ça c'est bois du rat adulte. Ok. Ouais, vous avez vu, ça donne des graines comme du poivre, mais en fait c'est pas du poivre, c'est le bois du rat. Et pourquoi le rouge? Pour ne pas être mangé par les tortues. Ok, le rouge ça repousse alors. Repousse les tortues qui veut dire pas mangeable, warning sign. Alors c'est pourquoi la plupart des rouges vont être, des plantes vont être rouges ou bordeaux au milieu pour ne pas être mangées par les tortues. C'est signe que c'est pas mangeable. Maintenant quand c'est mangeable, c'est trop haut. Ouais, voilà. Alors imaginez-vous si ça était au bas, alors tu vas manger la plante va mourir. C'est ça l'évolution pendant des millions d'années. Les tortues mangeaient des plantes, alors ces plantes ont trouvé un moyen comment se défendre. C'est ça, c'est fou. Voilà, c'est pourquoi la plupart des plantes quand c'était au bas, c'est pour du couleur rouge ou des épines pour ne pas être mangées. Ou ça va changer de forme, tu as toujours montré des plantes qui changent de forme quand c'est au bas. Mais voilà, plantes qui changent comme ça, on appelle ça des plantes hétérophiles. Une plante hétérophile, ce sont des plantes qui changent d'état quand ça va grandir sur les feuilles. Mais Maurice, c'est hétérophile à cause des tortues. Ouais. Peut-être une autre plante dans notre pays, c'est hétérophile à cause des autres animaux qui ont évolué avec ces plantes. Mmh. Mais Maurice,